Et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce petit point du soir. Bienvenue dans ce petit point du soir sur cette route du RAM destination Gold Loop. On va aller voir ce qui s'est passé cet après-midi du coup. Euh, depuis qu'on s'est laissé ce midi. Il s'est passé des trucs, hein. Notamment bah, l'arrivée du premier classe 40. Suspense. Voilà. Euh, donc ouais, on va faire le point sur la course. Euh, en commençant comme d'habitude par les ultimes. Bah, les Ocean 50 c'est terminé. Euh, on va passer après Zimoka, au Class 40, au Rum Multi et au Rum Mono. Et on commence tout de suite avec les ultimes. Alors, il reste un bateau en mer. C'est Use It Again, qui est actuellement à 423 000 de l'arrivée. Donc, ça va arriver vite maintenant. Euh, même si je dis à chaque fois que ça va, aller, ça va arriver vite. Il est à 16 nœuds, donc normalement, demain, ça devrait le faire. Normal, normalement, hein, 416... Euh... Ouais, même, ouais, si ouais, demain. À peu, près, à peu près demain. Demain ou dans la nuit de dimanche à... Euh, de, pas de dimanche, mais de... Dans la nuit de demain à après-demain. quoi. Voilà. Donc voilà pour it pour Again. Pas grand chose à dire. Il, va, il remonte tranquillement. Et ensuite, il va en pour redescendre vers euh, la tête à l'anglais. En Ocean Division 10 c'est terminé. On passe maintenant aux Imoca. En Imoca, on va regarder les arrivées qu'il y a eu. Excusez-moi. On va regarder les arrivées qu'il y a eu euh, cet après-midi. Il bah, n'y a, a eu que l'arrivée de Alan Roura. On l'avait vu. Hein. Ce, ce, ce midi, on avait vu Alan Roura qui se trouvait, je crois, ici. Et bien, bah, c'est est arrivé. Donc, Alan Roura qui a bouclé euh, cette route du Rhum à 16h02. Et maintenant, le prochain arrivé en Imoca, ce sera Anton Cornick. Sur euh, Human Immobilier. Donc, euh, qui, normalement, là, devrait pouvoir y aller directement. Là, pour aller directement à la ligne. Ensuite, on a on aura l'arrivée de. Comme un seul homme. Euh, donc Comme un seul homme euh, de, donc, de Eric Bellion. Qui est un petit peu derrière. Mais qui va bientôt aller passer la. La bouée de Bastère. Et ensuite, bon, on a le reste. Euh, Boris Arman qui est en. Tam son tour de la Guadeloupe. Et derrière, bah, d'autres caves sur un bord. Euh, Xabok, Louis Rose, euh, Girek Soudé. Qui vont pouvoir directement aller à, à la pointe à, euh, à la tête à l'anglais, pardon. Euh, Louis Duc, pareil, en bord direct à la tête à l'anglais qui est censé arriver demain, normalement. Il a 176 000 ou ouais, c'est ça, demain il arrive. Et ensuite, bah, on a le petit groupe emmené par Samantha Davis. Samantha qui remonte un peu vers l'ouest-nord-ouest vers pour ensuite boum redescendre. Là on voit son cap. Est-ce qu'on a son cap? On a... Petit si, 281. Donc ouais, c'est ça. Elle est à 10 degrés au-dessus de l'ouest. Donc elle est à l'ouest-nord-ouest. Euh, donc ici. Et elle emmène un petit groupe. Les autres sont un petit peu distancés quand même. Mais euh, on retrouve Jinzu... Jinkunzu. Manuel Cousin et enfin François Giffant. Donc Manuel Cousin le Normand. Ça va faire plaisir à c'est ce que je dis ça. Et Manuel Cousin qui ne devrait pas pouvoir y aller en un bord. J'ai même un doute sur François Giffant. Sur Ginkouzou là. François Giffant c'est sûr que non. Donc je pense que tous vont avoir un bord à retirer vers le nord-nord-ouest. Ouest-nord-ouest, pardon. Et ensuite redescendre vers, vers, la, tête, vers la tête à l'anglais. Il n'y a plus beaucoup d'Imoca, hein, parce qu'on voit que derrière, c'est Rêve de Large. Donc, euh, Rodolphe faux qui va bientôt réussir son, son pari de traverser l'Atlantique et de rentrer chez lui en Imoca. Et derrière, on retrouve euh, Nicolas Rouguet en, en 33e position. Et enfin, euh, Oliver hier qui, euh, je vous le rappelle, doit arriver avant. Il lui reste une semaine pour arriver. Ça devrait pouvoir le faire. Il est à hum, il est à 1532 000 de l'arrivée. Je pense que c'est jouable. Mais on, on croise les doigts pour lui. Puisque s'il arrive à vendre une semaine, euh, il, il pourra valider sa qualification au Vendée Globe. Donc voilà. Mais il y a quand même encore quelques milles à faire. Mais ça devrait, ça devrait le faire. Tous ces bateaux-là, bah, pareil un bord vers le sud. Puis un contre-bord vers l'ouest-nord-ouest. Avant de tirer un dernier bord vers la tête à l'anglais. On passe maintenant en classe 40 Ah ouais, ça va de plus en plus vite, hein. il, y a... il y a de moins en moins de bateaux en mer, donc ça va de plus en plus vite. En classe 40, on a l'arrivée du premier. Johan Richom, qui a mis une pilule à tout le monde, il arrive à 17h23 et vous voyez là, il est euh, 20h36, les... le deuxième n'est pas encore arrivé, alors il est en train d'arriver, en Beccaria, il a 14 h 1 en direction euh, de la ligne d'arrivée et il est devant Quentin Duguay, Quentin Duguay qui finalement fera... Troisième or c'est quand même le podium. Mais je pense que il espérait plus que ça. Je pense qu'il espérait plus que ça, mais malheureusement. Il fera que le troisième. Simon Coaster est quatrième, il devrait pouvoir rester quatrième. Et après on aura une petite bataille là, pour la cinquième pour la place entre Luc Berry, euh, Xavier Macker et Antoine Carpentier. Ça va se jouer autour de la Guadeloupe. Ça va être intéressant à suivre. Derrière, on retrouve euh, Alberto Bona, bien trop loin pour se, battre, pour se mêler, euh, mêler à la bataille. Et après, bah, d'ailleurs, on retrouve toujours ce... bah, cette flotte, en fait, avec pas, pas des gros écarts. Enfin. Il y a toujours un bateau pas trop loin, quoi. C'est un peu le chouchou. Euh, et qui est emmené, emmené du coup, par Martin Le Pape. Et en dernier, derrière, on retrouve euh, Anatole Facon et euh, Maxime Cow. Et euh, plus au nord, on peut regarder aussi, on a, la, on a euh, Florent Guégan. Voilà. Euh, tous là, ils vont être obligés de tirer encore des bords. Alors on voit... Euh, D'ailleurs, on a retrouvé la position de Marc Le Pesque, euh, qui est actuellement 19 e Marc qui tente une option plus au sud et qui devrait empanner par la suite. Donc euh, est-ce qu'il va tenter d'aller directement les lines euh, Genre sur le, le bout de la pointe là En, en arrivant comme ça il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait, c'est peut-être un peu plus risqué que d'aller ici. Et... Parce qu'au moins ici, tu as un peu de marge. Donc, à euh... voir. En vrai, avoir Après, parce qu'en fait, ici, c'est plus facile de gérer. Alors que là, si tu vas vraiment gérer ici, il y a moyen que tu fasses plus de routes que... que prévu. Il y a moyen de faire beaucoup plus de routes que prévu. Alors que si tu, tu gères comme ça, il y a un peu moins de risques. Euh, malheureusement, nipinski euh, 14e, ça, ça fait mal parce que, putain, c'était un grand favori. Mais voilà, en tout cas, tous ces bateaux-là vers vers, vont vers le sud-ouest actuellement, vont faire rampana, un rempanage, rampaner pour aller vers l'ouest-nord-ouest, et ensuite rampaner pour aller à la tête à l'anglais. Derrière, on retrouve euh, Kenny Piprol en 37e position, qui lui entame à peine sa traversée de l'Afrique vers, euh, vers la Guadeloupe. Donc, il a encore du temps avant d'arriver. Il est actuellement à 13,95. Donc, ça avance quand même. Avance quand même. Euh, si on regarde un peu les normands, Pierre-Louis Atouel, 29e. Euh, on va chercher, du coup... Alors, est-ce qu'on va le voir Cédric Château, 21e. Et enfin, du coup, comme on a vu, Marc Lepesque, 19e. Voilà pour euh, les classes 40. On passe maintenant au remulti en Rome Multi, alors on a un problème de positionnement pour le premier. Euh, voilà, on n'a pas de position pour, euh, pour euh, Gilles Bucknote. Donc Gilles qui doit être euh, par ici, donc pas très loin de l'arrivée. Hein. Si on regarde la dernière position qu'on a. Dernière position, c'est 8h ce matin ici. Ah oui, donc en fait, j'avais même pas l'impression, mais ce midi, la position qu'on avait ce midi déjà était plus bonne. quoi. Donc, normalement, Gilles Bucknode doit être par ici, mais on n'a pas la position. Donc, en deuxième position, on retrouverait euh, Loïc Escoffier à la bataille avec Roland Jourdain. Il y a 28 minutes entre les deux, ça va se jouer. Euh, ça va peut-être se jouer autour de la gaulle ça va être intéressant. Marc Guimau, 138 000 euh, devant euh, Alvar Mabir, qui a 179 000 de le du coup de qui Escoffier mais euh, bah du coup on n'a pas l'écart par rapport au vrai premier mais en tout cas voilà euh, ça se suit donc ah ouais, ça peut ça peut jouer autour de la Guadeloupe ça se suit mais il n'y a pas vraiment de stratégie contrairement à ces deux là derrière on retrouve euh, Gwen Chaplin en cinquième position qui est un peu esselée et là on a la bataille toujours entre euh, philippe Popon qui plonge vers le sud et qui vraiment lui tire des grands bords par rapport à Fabrice Païen, qui lui tire des petits bords, et qui est suivi comme son ombre par Etienne, Etienne Ochéde sur Pierre 2. Et derrière, on retrouve le groupe des quatre euh, petits trimarans, euh, les quatre vieux trimarans. Laurent Étémère sur son Happy, suivi par. Enfin, qui suit euh, Charlie Capel, euh, et on a Christophe Beaugrand et euh, Thomas Lurton, mais dans un mouchoir de poche, ça, ça se suit de très près. Donc, euh, donc, à voir, mais ça, ça se suit vraiment de très près. Mais il y aura une belle bataille jusqu'à l'arrivée. Et là, on va voir si euh, Si euh, Philippe Poupon arrive à battre euh, à battre Fabrice Payan. Pierre 2, normalement, ça va le faire. Fabrice Payan peut-être. Et est-ce qu'il va rester à remonter sur, euh, sur quelques catamarans Je pense que ça peut le faire sur Gwen Chaplin, mais sur le reste, ça va être compliqué. Ils ont, ils ont un peu trop d'avance. Mais en tout cas, voilà. Pour tous, bah, l'objectif là, c'est euh, pour certains de tirer des petits bords, comme on peut le voir là. On tire des petits bords avant de trouver la, le, la line et donc le dernier bord vers, vers la Guadeloupe. Et pour d'autres, bah, comme Philippe euh, comme, euh, Poupon, on tire un grand bord, ensuite on retire un autre grand bord, et ensuite on tire un dernier bord vers la Guadeloupe. Donc euh, voilà, c'est des grands. Il y en a qui choisissent des grands bords, d'autres des petits bords. On verra quelle est la meilleure stratégie. Et bien évidemment, on va continuer à suivre ça. On va finir du coup par les Rums Mono. En Rome mono, c'est toujours Jean-Pierre Dick en tête, suivi par Catherine Chabot. On, a, on voit une troisième position pour Willy Bissint, mais comme d'habitude, Wilfried n'est pas localisé. Voilà. Donc, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Euh, Wilfried est toujours deuxième. Catherine Chabot est toujours, deux, euh, toujours troisième. Wilfried est toujours troisième et Catherine Chabot est toujours deuxième. La dernière position de Catherine, c'est 19h31, donc c'était une position il y a à peu près une heure, donc c'est à peu près actualisé, elle doit être par là, quoi, grosso modo. Euh, Wilfried doit être par là, donc pas si loin. Et derrière, on retrouve Willy Bissint, euh, la dernière position, 20h01, donc là, c'est des positions à l'heure, donc c'est normal. Donc, euh, Willy Bissint en quatrième position, du coup, suivi par Olivier Mesguern en cinquième position, position sur son Elora. Belle bataille entre lui et euh, Gilles Colubi sur son euh, petit. Euh... C'est un... un. Oui, ça un Pogo 1250. Je... Non. Si, je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Mais en tout cas, un, un bon petit bateau, mais c'est un petit bateau. C'est le plus petit bateau de la flotte, mais c'est un très bon bateau. Et euh, ça marche bien, en vrai. Et <laughs> ça se voit, hein, il, est, il est pas trop mal placé. En 7 position, Guy Pronier à la bataille avec euh, Arnaud Perrin sur son Pendu 3 et après on a une bataille entre euh, Rémi Guérin sur Fayoche. à la bataille avec euh, Fabio Gennari sur euh, Belladonna Rise for Purushen. et enfin derrière la bataille pour, la pour ne pas finir dernier Daniel Escalard 10e à la bataille avec Jean-Sébastien Biard 11e que Jean-Sébastien Biard devrait toucher les alliés avant donc peut-être arriver à passer à rester devant, enfin à passer devant Daniel Escalard, à voir à voir ce que ça peut donner. Pour tous, l'objectif c'est de descendre au sud et ça a l'air d'être le choix de tout le monde à part voilà, Catherine Chabot qui avait fait un petit contre-bord, mais tout le monde a l'air de vraiment vouloir descendre au sud et ensuite tirer un bord comme ça et ensuite rentrer. Je pense que c'est la solution la plus simple. Euh, ça permet de se concentrer juste sur la vitesse du bateau et pas forcément sur euh, à quel moment je vais empanner, faire des manœuvres. Les manœuvres, c'est fatigant. Si euh, là, ça sert pas à grand chose. Donc, autant se concentrer sur la vitesse du bateau plutôt que de tout le temps être en train de faire des petites manœuvres comme des empannages. comme le font certains runs multi. Voilà. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Il y a des petites batailles de place en place. La tête de course, il n'y a pas de bataille. Il n'y a, a, a pas match, hein. clairement. Il n'y a pas match pour, contre Jean-Pierre Dick. Mais derrière, il y a des petites batailles de, euh, bah pareil pour Catherine Chabot. et Wilfried est un petit peu en avance aussi. Mais derrière, il y a des petites batailles de place en place. C'est super intéressant à suivre. Et bien évidemment, on continuera à suivre ça jusqu'au bout, voilà. Et bah du coup, les gens, c'est la fin, c'est la fin euh, de ce point du soir. c'est de plus en plus court. Ouais, ça a duré euh, un petit quart d'heure, mais voilà, c'est de plus en plus court. Il y a de moins en moins de bateaux, donc euh, bah, c'est normal. Non, en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, euh, un bon courage pour ceux qui taffent demain, un bon repos sur la torpo. On se retrouve demain midi pour le point de midi, demain soir à 20h30 pour le point de 20h30, et sinon bah, à 17h pour la reprise des streams classiques. Je suis bien reposé, donc on va pouvoir reprendre les streams sur Farming normalement s'il si veut bien démarrer, parce que là j'ai essayé de le démarrer hier, il n'a pas voulu démarrer. Je vais réessayer ça ce soir, mais, mais voilà. Je vous fais des gros bisous, bonne soirée et bonne nuit. Et à demain tout le monde. Tchuss!